Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver une nouvelle fois. Plusieurs fois déjà, nous avons ouvert la Bible ensemble et nous allons la réouvrir une nouvelle fois parce que nous n'avons pas fini l'étude de la vie du prophète Élisée. C'est au chapitre 4 du deuxième livre des rois que je lis ce récit. Et je suis heureux de voir que la plupart d'entre vous, vous avez amené votre Bible avec vous et que vous suivez la lecture. C'est toujours une excellente chose à faire. Suivre la lecture. Je lis donc au chapitre 4 du deuxième livre des rois qu'une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile, paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Jusque-là. Si je devais résumer cette histoire de l'Ancien Testament, il me suffirait d'une seule phrase de quatre propositions. C'est l'histoire d'une veuve qui, un, incapable de faire face à ses obligations, deux, a eu recours à Dieu, trois, a été délivrée. Une proposition principale, trois subordonnées, c'est tout. Qui était cette femme? Quelques mois plus tôt, vous ne l'auriez pas reconnue. Elle avait alors tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Elle était une fille d'Abraham dans ce sens qu'elle appartenait au peuple élu. Elle était devenue l'épouse d'un serviteur de Dieu. Elle était l'heureuse et fièrement de deux grands fils. Que fallait-il de plus pour être heureuse La vie l'avait comblée. Elle était bénie spirituellement moralement, matériellement. Voilà l'image de ce qu'elle était avant le récit que nous venons de lire. Spirituellement parlant, n'est ce pas là l'image de quelqu'un ce soir? Mais peut-être, hélas, l'image du passé. La bénédiction divine est elle classée dans vos archives, même si vous en avez gardé un bon souvenir? Ceux qui vous ont rencontrés il y a cinq ans ou cinq mois, et qui ont fait de vous un portrait avantageux, vous reconnaîtraient-ils aujourd'hui Peut-être pensez-vous, avec amertume, que ce qu'on a dit de vous il y a cinq ans vous flatterait excessivement aujourd'hui Et que ces jours bénis d'autrefois sont devenus comme les photos de vos dernières vacances qui, quand on les voit, vous donnent un pincement au cœur Si c'est un peu ça que vous ressentez, alors vous ressentez ce que ressentait cette femme. Et le message de ce soir est pour vous. Pourquoi cette femme en était-elle arrivée là Eh bien, premièrement, elle avait perdu son support naturel. Elle avait fait en quelque sorte de ce support naturel un premier emprunt. Et ce ne sera pas le dernier. Et puisque nous savons que notre souffle est entre les mains de notre Créateur, et que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, c'est donc Dieu qui avait permis qu'elle perde son soutien matériel. La réalité de sa foi fut mise à l'épreuve, et l'épreuve a révélé qu'elle vivait dans le sillage de son mari. Elle était entraînée par lui comme une feuille est entraînée par le vent. Quand le vent tombe, le mouvement s'arrête. Il était le vent, elle était la feuille. La mort de son mari fut pour elle la minute de vérité elle mit en lumière son indigence personnelle. Cette grande vérité s'adresse t-elle à quelqu'un ce soir? D'où tenons nous notre piété, notre allant, notre élan, nos ressources pour la vie chrétienne? des parents, du prédicateur, de l'Église, de la tradition, ce sont là des supports naturels qui nous sont donnés par Dieu, comme son mari était la ressource naturelle voulue par Dieu. Mais ces supports ne nous sont donnés que pour un temps, ils nous sont donnés pour nous lancer comme le tremplin est donné au plongeur pour le lancer, et non pour le soutenir indéfiniment. C'est une force d'entraînement, une catapulte si vous voulez, qui nous est donnée pour un temps afin de voler de nos propres ailes. Quand j'étais petit, avec les gamins du quartier, nous attendions avec impatience la saison des hannetons et surtout le crépuscule. À l'aide de raquettes en bois, on leur tapait dessus en plein vol dans des parties de chasse mémorables. Le jour venu, nous allions secouer les arbres pour remplir des boîtes entières de hannetons que la chute depuis les arbres n'arrachait pas à leur sommeil. Pour les faire voler, les plus cruels d'entre nous passaient une aiguille munie d'un fil au travers de leur queue et ensuite les faisaient tourner. La force centrifuge les faisait voler tout en les retenant captifs. Moi, je faisais d'eux ce que je fais encore quand je trouve une coccinelle. Je leur imprime un violent mouvement ascensionnel, je les jette en l'air, et, ainsi projetés en l'air, ils ouvraient leurs élytres, et de leur vol lourd, ils partaient. D'autres ne mettaient même pas à profit le mouvement qu'on leur imprimait, et lorsque la force ascensionnelle s'arrêtait, il retombait lourdement par terre. Telle fut l'expérience de cette femme, et ce sera aussi celle de tous ceux qui, comme elle, espèrent emprunter indéfiniment de ce que Dieu leur a donné pour un temps. Y a-t-il parmi nous ce soir des jeunes qui vivent dans le sillage de leurs parents, avec la force d'entraînement de l'Assemblée et des bonnes traditions? Et quoi, mes amis Vous n'avez pas d'autre propulsion que celle des autres Et vous rêvez au mariage Vos doux rêves deviendront des cauchemars avant longtemps. La lune de miel ne sera pas finie que déjà la pauvreté spirituelle vous sera atteinte. Que les jeunes filles qui pensent au mariage pensent à ce que je vais leur dire maintenant. Si celui qui croisera votre chemin et vous invitera à la promenade ne sait pas vous parler de la Bible avant le grand jour du mariage, il y a 99,999% de chance qu'il ne saura pas parler du grand livre après. Si même on vous fait cadeau d'une édition de luxe ce jour-là. S'il n'a pas pour charmer votre oreille et gagner votre cœur que des roucoulements à vous faire entendre, ayez une franche explication avec lui. S'il peut vous attirer à l'écart pour être seul avec vous, et qu'il ne sait pas vous prendre la main pour se recueillir dans la prière avec vous, vous avez la mesure de ce qui se passera une fois sauté la barrière des justes noces. Et s'il se retranche derrière ça, timidité. Ça ne l'a pas empêché de vous déclarer sa flamme. Il devrait donc avoir le courage de vous dire et de vous prouver qu'il aime le Seigneur. Et s'il n'y a rien de tout cela dans son cœur, dans sa conversation et sa façon de faire, alors méfiez vous car même s'il est issu de la meilleure famille chrétienne, il est comme ces hannetons de tout à l'heure qui, une fois la poussée finie, retombe avec un bruit sec sur le sol j'en connais plus d'un de ces jeunes gens je les vois en ce moment devant mes yeux ils ont été élevés dans les nids spirituels les plus enviables mais le malheur c'est que le jour où ils sont sortis du nid pour aller en fonder un autre spirituellement parlant ils en étaient encore à la becquée et ils n'avaient pas encore de plumes à leurs ailes et il est parfois bien triste de voir les meilleures de nos filles se laisser courtiser par ces avortons spirituels. Où s'écrie Cyrano avec dégoût. J'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Première conclusion Quand on n'a qu'une spiritualité empruntée, même si on la tire des supports les plus légitimes, le jour où ceux-ci sont enlevés, tout s'effondre et on s'enfonce dans la pauvreté spirituelle. Deuxièmement, après avoir perdu son support naturel, cette femme a eu recours à un support artificiel, et ce sera là son deuxième emprunt. Que va-t-elle faire maintenant mais simplement continue à faire ce qu'elle a toujours fait. Elle va vivre en comptant sur quelqu'un d'autre. Mais cette fois, c'est plus grave. Après avoir vécu une vie empruntée à son mari son support naturel, elle va maintenant emprunter au créancier un support artificiel. Elle commet la fatale erreur de vivre sur les provisions d'un usurier. Rien n'est plus dangereux. Jésus nous a prévenu que le monde, le monde ne donne pas comme lui donne. Le monde ne donne pas, il prête. Et quand il réclame, c'est le capital et les intérêts. L'Église aussi peut emprunter au monde. Mais le monde est un usurier pour l'Église. Il ne demande que ça, se prêter à l'Église avoir son mot à dire dans une société d'où il est normalement exclu. Et quand il a un pied dedans, un pied dans l'étrier, dirait-on, il n'en sortira pas jusqu'à ce que ceux qui lui ont emprunté et payé, et souvent de leurs larmes, jusqu'au dernier quadrant, c'est-à-dire jusqu'au dernier centime. Personne ne peut vivre au-dessus de ses moyens. Et l'Église ne peut vivre au-dessus de sa spiritualité, et tout ce qu'on emprunte pour rehausser l'éclat décadent ne sera qu'illusion, et l'illusion ne dure qu'un temps. Israël, ne l'oublions pas, ne devait ni acheter, ni troquer, ni emprunter à l'Égypte, qui est justement une figure du monde. Nous pouvons aussi emprunter à la chair, cette chair dont l'apôtre inspiré dit qu'elle n'héritera pas du royaume de Dieu, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15. L'esprit charnel peut pour un temps venir au secours d'une spiritualité défaillante, mais pour le plus grand malheur de celle-ci. Il peut lui prêter une apparence de bien, d'énergie, de prestance, de zèle, de sagesse, de modernité surtout. Mais cette monnaie-là n'a pas cours dans le royaume de Dieu. Et puis, ces emprunts que 1 Corinthien 3 appelle du bois, du foin, du chaume, ils seront révélés au tribunal de Christ. La lumette sera alors mise à toute cette pacotille et l'ouvrage de chacun est-il écrit sera révélé par le feu. On peut aussi faire du doping dans la course chrétienne. Le coup de fouet que les sportifs en tirent peut leur donner le bouquet de la victoire de temps en temps, mais à l'analyse, le doping se fait rembourser. Il s'appelle le coup de pompe ou l'élimination pure et simple doublée de poursuites judiciaires. Or, avec Dieu, on ne triche pas. À qui peut-on emprunter? On peut aujourd'hui, vous le savez, emprunter n'importe quoi, ou à peu près n'importe quoi, n'importe qui. L'autre jour, j'ai reçu trois mille litres de fioul de chauffage, et je n'ai rien payé, bien qu'il fût remis dans mes cuves. L'autre jour encore, j'ai rempli un plein panier de marchandises prises sur les rayons d'une grande surface, et je n'ai pas payé en les prenant. N'allez pas en conclure que j'ai agi sans scrupule. Oh non. Dans la semaine qui a suivi la livraison du gazoil, j'ai reçu la facture m'enjoignant de payer dans les dix jours. Et après avoir gratuitement emprunté au libre service, j'ai dû régler à la caisse. De plus en plus, on trouve maintenant des affiches ainsi conçues. Achetez maintenant, payez plus tard. Cette maxime transposée sur le plan spirituel est devenue celle du diable péchez maintenant, payez plus tard, et il fait croire à ses clients qu'on ne leur présentera jamais la facture. Cette philosophie du mangeons et buvons car demain nous mourrons conduit à contracter des dettes que seule l'éternité de remords pourra payer. La Bible nous met en garde contre cette solution de facilité par cet avertissement sache que ton péché te trouvera mais parce que l'échéance semble lointaine les clients du péché croient pouvoir désobéir à Dieu impunément dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8 et verset 11 il est dit parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal. Apprenez la leçon de Samson, l'Hercule aux yeux crevés. Il a payé son péché par la perte de ses amis, de sa femme, de sa force, de ses yeux, et enfin de sa vie. Il a découvert, mais un peu tard, que le système d'emprunt du diable coûtait trop cher. Et si vous êtes déjà endetté, il n'y a qu'un moyen d'en sortir. Confessez vos péchés au Seigneur, qui a payé le montant de notre dette à notre place en mourant sur la croix. L'ayant prise à son compte, il est le seul à pouvoir nous la remettre. C'est ce que veut dire l'expression la rémission des péchés. Cette remise, cette rémission, il est le seul à pouvoir l'accorder, car il est ressuscité, donc vivant pour tenir parole. Il purifiera votre cœur selon ce qu'en dit la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, Prenez la détermination que par sa grâce et sa direction quotidienne, vous allez vous mettre à vivre une vie dont l'avenir ne sera jamais rempli de regrets et d'amertume par des emprunts de ce type. Mais par-dessus tout, ne permettez pas à Satan de vous duper en vous faisant croire que vous serez la première personne de l'histoire à vaincre son système d'emprunt. Pour en revenir à cette pauvre femme, Voyez sa sombre situation. Elle a perdu son mari, elle a perdu son avoir, elle va perdre ses deux fils. Oh le terrible prix à payer. Oh l'échéance du désespoir. Elle avait hypothéqué ce qu'elle avait de plus cher au monde, ce qu'elle aimait plus que sa propre vie. C'est ce que le péché fait dans la vie d'un chrétien. Il met une hypothèque sur ses plus précieuses possessions. Le péché hypothèque le témoignage auprès de nos familles, nos enfants, notre voisinage, de la société dans laquelle nous évoluons. En un mot commençant, il dévalue la vie divine que nous portons en nous. Cette vie, pour laquelle nous préférerions mourir plutôt que la perdre ou la nier, c'est cette vie-là que nous cautionnons quand nous pêchons. Que va-t-elle devenir maintenant Elle est dans une impasse. Pourra-t-elle en sortir Que va-t-il se passer Il va se passer ce qui s'est passé aux noces de Cana. Il arrive dans la vie que le vin de la joie vient à manquer. Et qu'il n'y a plus rien d'autre que des cruches, des amphores ou des bouteilles vides. Mais si Jésus est l'invité d'honneur comme à Cana, tout peut changer. Quand le vin de la terre vient à manquer, il vient y suppléer en donnant le vin du ciel. C'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Il prend des vies qui ont drainé leurs dernières gouttes de joie terrestre et il les comble de ses bienfaits célestes. Quand les choses d'ici bas ne peuvent plus rien, si nous avons le Sauveur avec nous, il nous donnera comme à Cana de nouvelles joies bien meilleures que celles du monde, et en inépuisable abondance qu'ils sont à plaindre ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, et à qui il ne reste plus qu'une coupe vide, quand le vin de cette terre vient à manquer. Nous avons donc vu, pour résumer quelque peu, le support naturel de cette femme, le support artificiel, et nous voyons troisièmement qu'elle a eu recours à un support surnaturel, et ce sera son troisième emprunt. C'est à Dieu qu'elle s'adresse dans sa situation inextricable, car il est le Dieu de l'impossible, le Dieu des dernières extrémités. Paul dit de lui qu'il est le Dieu qui délivre ceux qui n'ont plus d'espérance, même plus celle de vivre, et qui regardent comme certains leur arrêt de mort. De Corinthiens chapitre 1, verset 9. Et si elle s'est adressée à Dieu au travers d'Élysée? C'est parce que trois choses la poussaient à le faire. Un, elle avait conscience de ses besoins. Deux, elle ne pouvait faire face à ses obligations. Trois, on allait prendre ses fils. Frères et sœurs, un plus grand que le prophète Élisée est parmi nous ce soir. Mais pour s'adresser à lui, il faut prendre conscience de ces trois choses que ressentait cette femme. La première. Avons-nous conscience de nos besoins, ou sommes-nous satisfaits de nous-mêmes comme l'église de la Odyssée qui disait Je n'ai besoin de rien Notre stérilité spirituelle ne nous donne-t-elle pas le vague à l'âme Est-ce qu'il vous arrive de pleurer sur vous-même les larmes sacrées ne sont-elles pas votre nourriture de temps à autre Votre poitrine ne se gonfle-t-elle pas de soupir après Dieu Que Dieu nous accorde la grâce d'être des gens de besoin. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, disait Jésus. Deuxièmement, pouvons-nous toujours faire face à nos obligations je sais en tout cas, et cela dure depuis que je sers le Seigneur, que c'est souvent in extremis que Dieu remplit mon vase d'huile, et que s'il ne l'avait pas fait, je me serais retrouvé devant mes échéances aussi impuissant que cette femme devant ses créanciers. Nous avons peut-être reçu des talents, et notre incapacité se démontre à ce que nous sommes incapables de les faire fructifier nous avons été les enterrés là où ils ne rapportent que des intérêts en jugement contre nous incapables de progresser de vaincre de brûler pour le seigneur de quand date notre dernière victoire sur nous-mêmes sur notre caractère par exemple troisièmement avons-nous conscience que comme on allait prendre ses fils qui étaient la lumière de ses deux yeux le Seigneur nous a menacés d'ôter notre chandelier, notre témoignage, si nous ne veillons pas. Connaissons-nous notre situation aussi bien qu'elle connaissait la sienne? Voyons maintenant ce qui va se passer. Elle s'est adressée à celui qui donne autrement que le monde, à celui dont les dons et les appels sont sans repentance, à celui qui a dit Demandez et vous recevrez et dieu est honoré quand nous nous adressons à lui pour qu'il comble nos besoins aussi grands soit-il nous ne sommes pas invités à lui demander la moitié de nos besoins elle n'a pas demandé l'intervention pour un de ses deux fils seulement elle a présenté ses besoins dans leur entièreté, car elle s'adresse à celui qui pourvoit tous nos besoins selon ses richesses et avec gloire, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 19. Remarquez que ce n'est pas selon nos besoins qu'il pourvoit, mais selon ses richesses et avec gloire, et qui peut évaluer la grandeur des richesses de Dieu. Reprenons maintenant notre récit. Le prophète lui demande, en quelque sorte, Qu'as-tu dans ta maison Et il répond rien. Es-tu bien sûr Regarde bien. N'y aurait-il pas quelque chose de reste Ah oui, un fond d'huile dans un pot. Certains commentateurs ont émis l'idée que ça pouvait être de l'huile d'onction dont se servait son mari pour des circonstances spéciales. Je le donne en passant. Mais c'est à partir de ce qui reste que le Seigneur veut faire quelque chose, même si c'est à nos yeux une quantité négligeable. N'avez vous vraiment rien pour commencer? N'avez vous pas gardé un vieux talent qui, à force d'être cloîtré, sans le rance comme de l'huile qui a vieilli? Quoi? N'auriez vous pas cinq pains et deux poissons, comme le petit garçon qu'André a amené à Jésus. N'y aurait-il pas un air de nostalgie dans votre âme? Un soupir de sainteté serait assez pour commencer le miracle et multiplier ses saints désirs, et les transmuer en réalités vivantes et palpables. Pour elle, un fond d'huile dans un pot fut le début d'une aventure de foi, et si vous voulez le meilleur de la bénédiction de Dieu, il faut risquer sur Jésus-Christ tout ce que vous avez et il faut le risquer avec cette pensée c'est que si il venait à manquer, ce serait la banqueroute. C'est ce que cette femme a fait elle a misé tout ce qu'elle avait sur la parole de Dieu, et je pense que sa main a tremblé. Quand elle a versé le peu d'huile qu'elle possédait encore. Je m'imagine volontiers qu'elle a versé dans le plus grand vase en se disant S'il doit y avoir un miracle, autant que ce soit un qui en vaille la peine. Quand Élisée l'a envoyé chercher des vases chez ses voisines, cela a dû lui sembler bien étrange à elle. Mais elle était décidée à suivre la parole de Dieu coûte que coûte. Elle est allée voir les voisins qui savaient qu'elle avait besoin d'argent pour payer ses dettes et qu'elle n'était pas solvable. Alors elle ne leur a pas demandé d'argent elle leur a demandé des vases, des bidons vides. Ils ont dû croire que la douleur avait affecté sa raison. On lui a sûrement demandé quel genre de bidon. Quel genre de vase elle voulait? Pas d'importance. Qu'il soit long ou court, dodu, ventru, bossu, cornu, pourvu qu'il soit vide. Pourvu qu'il soit vide. Mais avez-vous remarqué qu'Élisée l'envoie emprunter, je souligne, emprunter à ses voisins. Elle qui a vécu d'emprunt toute sa vie, et qui n'en a récolté que misère, la voici qui s'en va emprunter encore une fois n'est ce pas étrange? Oui, elle emprunte. Mais c'est dans un tout autre esprit que précédemment. Ce que nous ne devons pas emprunter au monde, c'est son esprit, car c'est de l'esprit du monde que découle tout ce qui se fait de mal dans le monde. Mais n'ayons pas peur d'aller dans le monde pour emprunter parfois même leurs lieux à usage séculier, et de les remplir de l'huile de l'évangélisation et de la spiritualité, n'ayons pas peur d'aller emprunter au monde ses meilleures inventions, et de lubrifier ses rouages avec l'huile de l'onction sainte, empruntons l'électronique, et commençons par y verser le peu que nous possédons, que Dieu lui remplisse ses vases jusqu'au rabord. N'est ce pas ce que nous faisons ces jours ci dans cette belle salle municipale qui nous accueille, et dans laquelle on retentit nos cantiques, nos prières, et la lecture et l'étude de la parole de Dieu? Mais par dessus tout, donnons lui ce grand vase qu'il désire remplir, notre corps, et qu'au lieu de la vie charnelle à laquelle il est le plus souvent utilisé, nous le laissions remplir de la vie divine, n'est ce pas ce que dit le fameux texte de Romains douze versets un et deux. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui n'empêchera pas l'apôtre d'ajouter prudemment Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite, et que tous ces vases qui servaient un temps à usage vil soient maintenant offerts à Dieu pour qu'il les remplisse de sa précieuse bénédiction. Et agir de la sorte, c'est faire comme cette femme, c'est emprunter au monde sans lui céder de la vraie spiritualité. C'est emprunter au monde sans compromis. C'est emprunté au monde sans s'appauvrir. C'est emprunter au monde sans se cautionner, sans hypothéquer. Il est à peine nécessaire de rappeler ce qui est arrivé. La provision divine couvre les erreurs du passé. La valeur de l'œuvre divine paie la dette du passé assure abondamment le présent et contient une garantie pour l'avenir. Jusqu'à quel point Dieu est-il intervenu Je lis. Tant qu'il y aura des vases. C'est-à-dire que Dieu va jusqu'à nos disponibilités. Le flot ne dépendait pas de Dieu, il dépendait des vases. Combien ce soir vont-ils se rendre disponibles pour Dieu et vont crier à lui pour qu'il les remplisse de sa plénitude Car si l'huile est un symbole du Saint-Esprit, cette image veut donc dire « Soyez remplis de l'Esprit », selon Ephésiens 5, verset 18. Il y a une délivrance pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui se découvre insolvable comme cette femme face à son déficit spirituel, mais qui va s'adresser à celui qui est plus grand qu'Élisée. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, nous terminons cette soirée par la prière, en nous adressant à toi. Seigneur, il y a des échéances auxquelles certains de tes enfants ne peuvent pas faire face. Tu t'es révélé à nous ce soir comme le Dieu de cette femme acculée à la faillite, comme le Dieu d'Élysée, mais surtout comme le Dieu qui en Jésus-Christ vient lui-même régler le contentieux qui existe entre nous et toi. Merci ô Dieu de ce qu'en Jésus tu nous as signé un chèque en blanc qui comble tout le passif de notre vie. Seigneur, ainsi libéré de la condamnation qui nous menaçait, nous nous engageons à ne plus désormais emprunter que de toi et de tes infinies ressources, celles de ta grâce, que tu mets librement à notre disposition. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert un tel compte à la banque de ton ciel et nous t'en bénissons avec remerciement et adoration et au nom de Jésus-Christ amen seigneur amen